Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques règles qui sont très importantes, mais c'est des règles qui vont compléter notre étude. D'accord? Donc c'est vraiment un complément, mais c'est très important. Mais ça va compléter notre étude de la lecture arabe. Donc, la première règle qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'allongement long. L'allongement long. Dans le cours précédent, on avait vu comment allonger le son e, i, ou. D'accord? Pour le son e, à titre de rappel, on allongeait en rajoutant le elif. On disait ba, on écrivait le ba et le elif. Pour allonger le son i, on rajoutait le ya. On disait bi, on rajoutait le ya. Et pour allonger le son ou, on disait bou, et on rajoutait le waou. D'accord? L'allongement, donc, c'était un allongement court. Ba, bi, bou. Dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle un allongement long. Qu'est-ce que l'allongement long? C'est représenté par cette vague. Cette vague, ce n'est pas une fatha, ce n'est pas un trait. C'est bien une vague comme ça au-dessus de la lettre. Et cette vague-là, si elle est au-dessus de la lettre et que la lettre n'a pas de voyelle, c'est-à-dire n'a pas de fatha, kasra ou bien dhamma, alors du coup, on va allonger la lettre, mais en la prononçant. Par exemple, ça, c'est la lettre sad. D'accord? C'est la lettre sad. Est-ce qu'elle a une fatha, kasra, dhamma? Non, elle a juste l'allongement long. Donc, on va dire sad, mais en allongeant quatre temps. D'accord? Ça, c'est quatre temps. Donc, comme si avec les doigts, vous comptiez jusqu'à 4, d'accord? De manière assez rapide quand même, hein. Donc, écoutez comment je vais prononcer. Sod. D'accord? C'est comme ça que ça se prononce. Et ça, on le retrouve dans le Coran. Comme dans la sourate Al-Baqarah. Elif Lam Mim. Et bien, c'est ça. C'est l'allongement long. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Coran. Pareil ici avec le Aïn. Comment on va allonger quatre temps? On va dire Aïn, ou plutôt on va dire Aïn. D'accord? On allonge la fin. Ici, Qaf. Donc, je ne vais pas vous demander de l'écrire en phonétique, d'accord? Parce que je vois là, il y en a certains qui ont écrit Saad en phonétique avec plein de A, mais vous avez compris le concept. Et j'ai lu également un commentaire, là je viens de lire, ça c'est que pour le Coran. Effectivement, l'allongement quatre temps, comme ça, allonger quatre temps, c'est spécifique au Coran, d'accord? Dans la vie du quotidien, on retrouve cette vague-là également dans les livres, dans certains livres, ou bien dans certains journaux, etc. Ça, on le retrouve dans certains endroits, mais à ce moment-là, on n'allonge que deux temps. D'accord? On n'allonge que deux temps. On n'allonge pas quatre temps dans le parler quotidien en arabe, ni dans des livres en arabe hors le Coran. Ça, l'allongement quatre temps, c'est vraiment spécifique au Coran. D'accord? En dehors du Coran, on retrouve ceci, mais on n'allonge que deux temps. Donc, on est rendu au Kef. Kef. Ensuite. Très bien, Sabrina. Excellent. Ensuite, mim. Et enfin, noun. Attention, Imad-ed-Din, c'est pas ma. Ici, on aurait dit ma si il y aurait eu une fatha au-dessus. D'accord? Il y aurait eu une fatha, on aurait allongé quatre temps avec la fatha. Ici, vu qu'il n'y a aucune voyelle, on prononce la lettre. D'accord? Maintenant, dans la deuxième ligne, on va voir quelque chose qu'on va mettre en pratique avec des exercices juste en dessous et qui est également présent dans le Coran et également qu'on peut retrouver parfois dans certains livres. C'est cette petite virgule vers le haut. Cette petite virgule vers le haut, on peut dire que c'est comme une fatha qu'on allonge de temps. Une fatha qu'on allonge de temps. Donc là, on va dire ha. On va pas dire ha. On va dire ha. C'est comme si c'était une fatha qu'on allongeait de temps. La fatha, elle est tirée vers le haut. D'accord? Et là, le mim, donc il n'y a aucune voyelle. Donc on va dire mim. Donc là, on va lire ça comment? Non, asma, c'est pas ha, ma.
n'y a pas de fatha ici. Dans le mim, il n'y a pas de fatha. Naam. C'est excellent. Sanogo Ismaël, excellent. C'est Hamim. D'accord? Ici, la sourate, je pense que chacun de nous la connaît, l'a au moins entendue une fois. Yassine. Excellent, Rose Noire. Très bien. Le Joker, excellent. Amel Saoudi. Naam. Yassine. Très bien. Le mot suivant, pareil. C'est le nom d'une sourate. Donc là, on voit, il y a deux, on va dire comme des petites virgules vers le haut. D'accord? Pour faire simple, hein. Donc c'est comme s'il y avait fatha, fatha, mais en allongeant chacun. Donc on dit taha. C'est pas taha. Non. Taha. C'est bon? C'est clair? Excellent. Maintenant, il y a trois lettres ici. La première lettre, donc là, c'est encore un nouveau cas. D'accord? Là, comme ça, on apprend des nouvelles choses là en même temps. Ici, on voit, il y a elif, mais il n'y a rien. Alors, il n'y a ni fatha, ni kasra, ni dhamma, ni allongement long, il n'y a rien. Comment on va la prononcer? Eh bien, on va la lire tout simplement. Et ça, par contre, c'est spécifique au Coran. Hein. C'est vraiment spécifique au Coran. Dans la vie du quotidien ou en dehors du Coran, on ne retrouve pas comme ça le elif sans rien. D'accord? C'est spécifique à la lecture du Coran. Donc, nous, comme on apprend à lire, en ce mois béni, on sait aussi pour apprendre à lire le Coran, du coup, on voit quelques petites règles comme ça. Ici, du coup, on va uniquement lire la lettre. On va dire Elif. Donc, le Lem ensuite, allongé quatre temps, et le Mim, allongé quatre temps. Donc, on va dire Elif Lem Mim. D'accord? Là, il faut reprendre quand même un petit peu de respiration hein, avant de prononcer. D'accord? Excellent. Attention, Amel Saoudi, ce n'est pas « le », c'est « lem ». Pourquoi « lem » Parce que on ne dit pas « le » parce qu'il n'y a pas de fatha ici. On prononce bien la lettre, d'accord? Pareil ici. Ah, là, on a les trois. On a une lettre sans rien, une lettre avec allongement quatre temps et le « ra » allongement deux temps avec la fatha. Ce qui nous donne, très bien, Asma, très bien, Alif Lam Ra. On allonge un peu le Ra. Et pour répondre à la question de Hagani, non, c'est pas du Tajwid. Hein. Ici, c'est vraiment bon. C'est pas des cours de Tajwid, c'est des cours pour apprendre à lire l'arabe. Mais j'ai vu utile de voir ces petites choses là ici, vu que vous allez lire le Coran, et on va voir également d'autres règles juste en dessous pour bien lire le Coran. D'accord. Après, bien sûr, celui qui veut encore perfectionner sa lecture, qui prend qui suivent des cours de Tajwid, ça c'est recommandé. Mais ça c'est pas des cours de Tajwid, hein, d'accord? C'est des cours d'arabe. Ici, première lettre sans rien. Après le signe, quatre temps. Et le mime, quatre temps. Naam, mashallah, rose noire, très bien. Ham, krim, très bien. Yarmour, la pluie, très bien. On dit quoi? Ici, comment on va lire? Tassin mim. Alors pour le dernier là ici, faut prendre la respiration, hein, d'accord? Faut pas y aller comme ça. Faut prendre une grande respiration avant parce que là on a combien de lettres ici? Qui peut me dire combien on a de lettres ici dans le dernier? Combien de lettres on a ici dans le dernier mot? Naam le Joker. 1, 2, 3, 4. Elif, Lem, Mim, Sad. Excellent. On a 4 lettres. C'est pas 3, hein. Il y a le petit Mim ici, là. Il y a le petit Mim ici entre le Lem et le Sad. D'accord? Il s'écrit également comme ça. Donc, comment on va le lire? On va dire Elif, Lem, Mim, Sad. Ah, là, on voit, c'est qui a de l'apnée, là. D'accord? Donc, on lit de cette manière. Donc, ça, c'est pour l'allongement long. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on a à retenir avant de passer à la leçon suivante? D'accord? Pour récapituler, l'allongement long, c'est quoi? C'est la vague qu'il y a au-dessus. On allonge quatre temps.
Cet allongement quatre temps, c'est spécifique au Coran. On retrouve cet allongement long en dehors du Coran, mais on n'allonge pas quatre temps, on fait un allongement simple, d'accord? Deux temps, rapide. S'il y a cet allongement long sur une lettre et qu'il n'y a aucune voyelle, on prononce tout simplement la lettre en allongeant quatre temps. Par contre, si par exemple il y avait une fatha, par exemple, si là, sur le lem ici, on va prendre le lem, d'accord? S'il y avait une fatha, et en plus il y a l'allongement long, on dirait la. S'il y avait la kasra, on aurait dit li. Et s'il y avait la dhamma, on aurait dit lou. Tout simplement. D'accord? Donc, maintenant que ça, c'est clair, on a également vu la petite virgule vers le haut. La petite virgule vers le haut, qu'est-ce que c'est? C'est comme une fatha qu'on allonge deux temps. Donc, ha, ya, ta, ha. D'accord? On allonge deux temps. Et des fois, on va la retrouver en bas. Et on va des fois retrouver la petite virgule, mais en bas. Du coup, ça sera quoi? Ça sera une kasra qu'on allonge deux temps. Hi. D'accord? Et ça, on va le revoir avec, avec les exemples en dessous. Donc, ça, c'est l'allongement long. Maintenant, la leçon suivante. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être court, hein. Ça va être court, mais ça va être bénéfique, Inch'Allah. Là, c'est vraiment pour compléter. Cette leçon, c'est les lettres lunaires et solaires. Alors, vous avez sûrement déjà entendu ceci, d'accord? Si vous avez déjà étudié un peu l'arabe avant, il y a des lettres qu'on dit lunaires et des lettres qu'on dit solaires. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ceci, donc on va expliquer tout de suite, mais d'une manière vraiment différente, d'une manière qui fait que vous allez retenir plus facilement et que ça va être vraiment beaucoup plus bénéfique de ce qu'on peut entendre parfois, d'accord? Même s'il y a de très bonnes explications, hein, mais là, je vais vous donner une astuce vraiment pour vous faciliter la tâche. Donc, qu'est-ce que les lettres lunaires et solaires? Donc, la langue arabe, il y a 28 lettres. Il y en a 14 qui sont lunaires, il y en a 14 qui sont solaires. Donc, ici, le but, ce n'est pas d'apprendre, hein. Je ne vais pas vous demander d'apprendre quelles sont les lettres lunaires, quelles sont les lettres solaires. Je vais vous donner une astuce dans la lecture qui va vous faciliter à les reconnaître directement. Déjà, premièrement, pourquoi on appelle des lettres lunaires, pourquoi on appelle des lettres solaires? Il faut savoir que la lune, en arabe, ça se dit el-qamar. El-qamar. La lune. On prononce le lem, on dit el-qamar. Par contre, le soleil, on dit ash-shams. Ash-shams. On ne prononce pas comme ici là. On enlève le waou, d'accord? On enlève le waou, on fait comme s'il n'était pas là. Ici, ash-shams, on ne prononce pas le lem. On dédouble directement la lettre qui vient après le lem. D'accord? Ash-shams. Donc, pour comprendre ceci, il faut savoir que un mot dans la langue arabe, par exemple, si on prend le mot qamar, on va prendre des notes, hein, ça va être plus clair. Voilà. On va prendre le bleu. Alors, on va écrire ici kamar. Voilà. On a le mot kamar. Ça veut dire une lune. En haut à droite. Une lune. Si je veux dire la lune, je rajoute l'article, le elif et le lem. Voilà. Quand je rajoute le elif et le lem, c'est pour dire la ou le. La lune. El Qamar. Si j'aurais dit kitab, un livre, el kitab, le livre. D'accord? Eh bien, quand on rajoute ce elif ou le lem, si ce elif ou le lem, on le prononce, si on prononce le lem, el Qamar, dans ce cas-là, on va mettre la petite soukoune sur le lem. Et la lettre qui suit, on appelle ça une lettre lunaire. Si par contre, par exemple, si on prend le mot shems, je vais l'écrire en petit pour que ça rentre. Voilà. Excusez-moi mon écriture, hein, mais avec la petite souris, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, shems, ça veut dire soleil. Ça veut dire soleil. Un soleil. Si je veux dire le soleil, donc pareil, je rajoute le elif et le lem. On est d'accord? Mais je ne prononce pas el soleil. El shems. El shems. Non.
Ici, ce qu'on fait, c'est que le lem, on ne le prononce pas et on met une shadda tout simplement sur la lettre qui suit. Et on va dire Eshems. Eshems. Et le fait qu'on ne prononce pas le lem, la lettre qui suit, ça s'appelle une lettre solaire. Donc, avec toutes les lettres ici, le T, le C, le Del, le Zel, le Ra, le Zei, etc. Si elles sont précédées du Elif ou Lem, eh ben, on ne va pas prononcer le Lem. Avec les exemples qu'on va lire, ça va être clair. Par contre, ces lettres-là, si elles sont précédées du Elif ou Lem, on va prononcer le Lem. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas vous demander ici d'apprendre ces lettres. Ce sera beaucoup trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'astuce, c'est de regarder le lem. On remarque que si le lem, on le prononce, il y a une soukoun. Comme ici. D'accord? Si le lem, on le prononce, il y a une soukoun. Si le lem, on ne le prononce pas, il n'y a pas de soukoun. Et on voit que la lettre suivante, il y a une shadda. Du coup, nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est uniquement lire ce qu'on voit. On voit la soukoun sur le lem, on la prononce, on la lit. On dit wal qamari. Wal-qamari. Par contre, ici, on voit que le lem, il n'y a rien du tout au-dessus. Du coup, on fait comme s'il n'était pas là. On voit qu'il y a un dédoublement avec le sin. Donc, on le dédouble, on dit Wassamai. Wassamai. D'accord? Tout simplement. Yani ici, c'est uniquement pour faire comprendre les lettres lunaires et solaires. L'astuce, regardez ici le lem. Est-ce qu'il a une soukoune ou pas? Tout simplement. Donc on va lire hein, maintenant que on a vu la théorie, la pratique. Wal-qamari, wal-kitabi. On voit que le kef, c'est une lettre solaire ou lunaire? Le kef. Le kef, c'est du lettre solaire ou bien lunaire? Naam, lunaire. Pourquoi c'est lunaire? Parce que quand il est précédé du elif wal-lam, on prononce le lem. On dit wal-kitabi. On ne va pas dire wak-kitabi de cette manière-là, avec une shadda ici. Non. On ne va pas prononcer comme ça. D'accord? Je l'efface. Voilà. Voilà. Le mot suivant. Wal-ardi. Wal-ardi. En fait, ça coule de sens. Hein. Ça coule vraiment de sens. Si le lem, il y a une soukoun, on prononce le lem. Si le lem, il n'y a pas de soukoun, la lettre qui suit, on regarde. Si c'est, s'il y a la shadda, on dédouble, tout simplement. D'accord? On lit ce qu'on voit, tout simplement. Wal yaoumi. Wal yaoumi. Le mot d'après. Wal fulki. Qui peut m'écrire le mot, ce mot-là, là? Qui peut me l'écrire, celui-là? Qui peut m'écrire ce mot-là? L'avant-dernier. Naam, excellent. Habibata, excellent. Hasna, très très bien. Wal Fajri, très très bien. Vous avez compris. Wal Fajri, Coran, récitation. Mashallah, très très bien. Wal Fajri, le joker, excellent. Ici, Wal Jannati. Wal Jannati. D'accord? Et bien maintenant avec les solaires, c'est pareil. En bas, tout en bas à droite, ici. On y va. On lit. Wassamai. Le Elif Wallem, on fait comme s'il n'était pas présent. On voit qu'il n'y a ni Fatha, Kasra, Damma, Sukun, il n'y a rien. Du coup, on fait comme s'il n'était pas là. La lettre qui suit, il y a une Shadda. Du coup, on fait la liaison. On fait la liaison ici. Wassamai. C'est comme s'il y avait le Waw, le Sin. Et un autre signe, Sukun et Fatha. Pourquoi? Il y a le waw ici. Je prends une autre couleur. Excusez-moi. Hein. C'est vrai que l'outil là de le crayon, il est vraiment bien. Hein. Ça permet de mieux comprendre, de visualiser. On a ce waw là qui est ici. On a ce signe là avec la shadda. Donc, c'est représenté là et là. Et le Elif Wallem, hop là, ici, le Elif Wallem, il n'y a rien du tout dessus. On fait comme s'il n'était pas là. Du coup, on va dire Wassamai. Wassamai. Tout simplement.
La petite lettre à la fin, là, le petit 2, c'est la hamza. D'accord? C'est comme le elif. La petite lettre, c'est un petit 2. Wassama'i. C'est comme le elif, ça s'appelle hamza. D'accord? Ensuite, washamsi. Washamsi. Très bien, mashallah. Je vois que beaucoup ont répondu. Allahumma barik. Washamsi. Le mot d'après. Pareil. Qui peut me l'écrire? Le mot d'après. Celui-là. Naam, excellent Younab, t'as compris. Wan-nahari. En plus, mashallah, t'as bien écrit l'allongement. D'accord? Nahari, très bien. Wan-nahari. Donc, quand il y a shadda, bon, la phonétique, hein, je vous ai dit, le but, c'est de la délaisser. Mais quand on va l'écrire, voilà, on écrit deux fois le N. Et puis, le H, du coup, on allonge de temps. Donc, on peut écrire deux fois le A. Wan-nahari. Ensuite, le mot d'après. Le mot d'après ici. Naam. Naam, si, silas. Wassaifi. Wassaifi. D'accord? Comme je vous ai dit, la phonétique, ce n'est pas important. Mais, voilà. Au moins, si vous écrivez, il y a shadda, dédoublez la consonne. Dédoublez là. Écrivez deux fois le S. D'accord? Qu'on voit qu'il y a une shadda. Ensuite, le mot d'après. Franchement, c'est bien, hein, mashallah, il y a des très bonnes réponses. Hein. Allahumma barik, hein. Franchement, très très bien. Wattini. Il y a une sourate qui commence comme ça. Wattini wazzaytoun. Eh ben, c'est comme ça. On lit de cette manière. Wattin. On dit pas weltin. Non, non. Erreur, erreur. On dit wattin. Pourquoi? Parce que le temps, ça fait partie des lettres solaires. Tout simplement. Vous n'avez pas à apprendre, hein. Je ne vous demande pas ici d'apprendre. D'accord? Vous allez voir, ça va rentrer tout seul. À force de lire l'arabe, à force de lire l'arabe, vous allez voir que la langue arabe, en fait, c'est une langue arabe qui est logique. Et les arabes, ils fuyaient la difficulté. Ils n'allaient pas à la difficulté dans leur langue. La langue arabe, c'est une langue qui est facile. Donc, s'ils avaient du mal à prononcer certaines choses, ou s'il y avait du mal à le sortir, et il y avait une possibilité de le sortir de manière plus facile, ils choisissaient la facilité, tout simplement. D'accord? Ici, well, tin, on voit que c'est dur quand même. Alors que what tin, ça coule de source. Pareil. Ici, le mot suivant. Naam, mashallah. Très, très bien. Wath-thamarati. Wath-thamarati. Si on aurait dit well-thamarati, c'est lourd. Ça fait qu'on s'arrête ici, là. Ici, on va s'arrêter. On va dire well-tha. Well-tha. Non. On dit. Et enfin, le dernier mot. Le dernier mot, et on aura fini cette règle. Et on va voir. Donc, dernière règle. D'accord? Le dernier mot, comment on l'écrit? Naam. Warrasikhoun. Warrasikhouna. D'accord? Donc là, on voit plusieurs. L'allongement avec le elif. La shadda. La lettre solaire, l'allongement avec le waouh. Voilà, on voit plein là. On voit la fatha, kasra, damma. Naam. Si vous savez lire ce mot-là, c'est très bon signe. Très, très bon signe. Si vous savez le lire correctement ce mot-là, warrasikhuna, si vous comprenez pourquoi je prononce de cette manière-là, c'est très, très bon signe, mashallah. Ça veut dire que là, ce soir, après le cours, vous pourrez prendre le mushaf, le Coran, et commencer à lire, inshallah. Quand vous prenez. Les dernières sourates, les sourates courtes, et commencer à les lire. Donc ça, c'est pour les lettres lunaires et solaires. C'est compris? Alhamdulillah. Maintenant, on va terminer avec bon à savoir. Il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses dans bon à savoir. Alors, ce que je vous avais dit hier à la fin du cours concernant le mot Allah. Allah. Parfois, on va dire là. Le lem ici au milieu, là, on va le prononcer là. Et parfois, on va le prononcer la. D'accord? Parfois là, parfois la. En fait, il y a une règle très simple. Si la lettre qu'il y a avant, on regarde la lettre qu'il y a avant. Tac, 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 tac. Et etc., etc. On regarde la voyelle qu'elle a. Si c'est une fatha, ou bien, Dhamma,
Dans ce cas-là, on va dire A. Si c'est une casserole, dans ce cas-là, on va dire E. Comment on lit ici? On va lire Huwallahu. Huwa, et on fait la liaison Huwallahu. On dit là. On ne dit pas Huwallahu. Non. Huwallahu. Pareil, là, il y a une damma. On dit Amrullahi. Amrullahi. On dit là. Par contre, là, on voit, c'est une kasra. Comment on va lire? On va dire Billahi. Ah, on va pas dire Billahi. Non, on ne dit pas Billahi. On dit Billahi. Ici, Fatha. On dit Minallahi. Minallahi. Excellent. Ici, on dit Qulillahu. Qulillahu. D'accord? Qulillah. La, c'est pas la, c'est la ou. Ensuite, fi, on dit filahi. Filahi. C'est pas filahu, non. Filahi. Et enfin, le waou, c'est une fatha, donc on va dire wallahi. Très bien, excellent, mashallah. Boubacar, très très bien. Wallahi. C'est facile à comprendre. Alhamdulillah. Mais c'est pas odeur. Si c'est facile à comprendre, c'est ça le but. La langue arabe, c'est pas compliqué, hein. Après, pour bien étudier n'importe quelle langue, mais ici, là, ce qui nous concerne, c'est la langue arabe, il y a deux choses. Premièrement, la pédagogie. C'est-à-dire que là, avec ce support-là, par exemple, qu'on fait actuellement, c'est un support qui est pédagogue, qui va au fur et à mesure. À chaque exercice, on revoit sans complication les règles précédentes, afin que ça soit ancré, etc., etc. Donc, c'est aussi le support. Et deuxièmement aussi, ça va être tout simplement la pédagogie du professeur. Il y a plusieurs pédagogies, il y a plusieurs manières d'enseigner. Il y en a qui vont beaucoup détailler au début, il y en a qui vont être très simplistes, il y en a qui vont être juste au milieu. Et après, chaque personne va accrocher plus ou moins avec ce qu'elle cherche. D'accord? Donc ici, alhamdoulilah, si vous accrochez, eh ben, c'est très bien. C'est très très bien, mashallah. Donc ça, premièrement, bon à savoir, donc, c'est par rapport à Allah. Le mot Allah, quand est-ce qu'on dit A, quand est-ce qu'on dit E. Et dernièrement, et ensuite, on va faire des exercices récapitulatifs sur tout ce qu'on a vu depuis le début. Et là, vraiment, ça va, on va voir qui a bien compris, alhamdoulilah. Donc là, juste avant de passer aux exercices récapitulatifs, on va voir concernant le thème arbota, ça là, la dernière lettre. Donc c'est comme un hé avec deux petits points. D'accord? Quel est le jugement de cette lettre-là, le thème arbota? C'est un hé avec deux petits points. Quel est le jugement? Comment on va la lire? Eh bien, on va la lire en fait de deux manières différentes en fonction de si on continue. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui vient à la suite, ou bien si on va s'arrêter. On va s'arrêter sur ce mot-là. Dans le cas où on va continuer, c'est-à-dire qu'on continue, on va dire un autre mot après, et ben on va le prononcer comme un T. On va le prononcer comme un T. Ici, on va dire rihlatun. Rihlatun. D'accord? Mais dans le cas où on s'arrête, il y en a par exemple ce mot-là, on dit que c'est le dernier mot de la phrase. Que ça soit dans le Coran ou bien que ça soit en dehors du Coran. Là, cette règle-là, elle est valable pour les deux. Que ce soit dans le Coran ou en dehors du Coran. Comment on va prononcer cette lettre-là si on s'arrête dessus? On va la prononcer comme un hé. Et on va dire rih la. Comme ici. Regardez, voilà. Rih la. Yani dans la prononciation, c'est comme si. Ici, on va mettre une soukoun. On va remplacer les voyelles qu'il y a eu auparavant par la soukoun. Et on va également effacer les deux petits points, le T. On va dire rihla.
Un autre exemple, ici, Jannah. On va dire Jannatun, si on continue. Jannatun et Jannah, si on s'arrête. Jannah. D'accord? Par exemple, on va prendre le mot Fatima. Ah, peut-être qu'il y en a parmi nous qui s'appellent Fatima ou bien qui connaissent quelqu'un qui s'appelle Fatima. C'est la même chose. Ça se finit par le tamarbota. Eh bien, comment on le lit si on s'arrête? On dit Fatima. Fatima. Mais si on veut dire, par exemple, Fatima étudie, on dira Fatimatu tadrusu. Fatimatu tadrusu. Et on va prononcer ici cette lettre-là comme un T si on continue. Mais si on s'arrête, on dirait Fatima, tout simplement. Donc, maintenant que c'est compris, on reprend ici. Shahada. Si on continue, on dira Shahadatun, ou bien Shahadatan, ou bien Shahadatin, peu importe. Avec Fatha, Kasra, Dhamma, ou bien le dédoublement, 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 peu importe. Dans tous ces cas-là, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on dira Shahadatun, Shahadatan, Shahadatin, si on continue. Et Shahada, on efface les deux petits points et on met à Sukun, si on s'arrête. Shahada, pareil, Salah. C'est pour ça que dans l'appel à la prière, qu'est-ce qu'il dit le muezzin? Hayya ala salah. Hayya ala salah. Il s'arrête sur le hay. Mais quand on dit j'ai fait salatul fajr. Ah, je ne sais pas si on m'entend bien. Normalement, le son n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ici, on dit salatul fajr. Si on continue. Ah, on entend de loin. Bon. Je vais essayer de trouver une solution. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Est-ce que comme ça, c'est mieux? Non. Alhamdulillah. Donc, je disais, c'est pour ça que ici, on dit le muezzin, il dit quoi? Hayya ala salah. Hayya ala salah. Il s'arrête sur le mot salah, donc il le prononce avec la soukoun. Et nous, quand on dit, j'ai fait salatul fajr. Salatul fajr. Donc, le thème al-bouta, ici, on le prononce comme un T parce qu'on continue. Pareil. Zakah. Ou bien, zakatul mal. Zakatul mal. Ou zakatul fitr. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'était le complément d'aujourd'hui. Donc, pour récapituler, avant de faire les exercices. Aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu l'allongement long, quatre temps. D'accord? Et que cet allongement long, ça, cette règle-là, là, allongement long, c'est spécifique au Coran. On retrouve cette vague-là en dehors du Coran, mais on n'allonge pas quatre temps, on n'allonge que deux temps. Par contre, toutes les règles qu'on a après, là, ça, c'est pour le Coran et puis en dehors du Coran. L'arabe aussi, de d'habitude. Les lettres lunaires et solaires. Un moyen mémotechnique simple, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le lem. Il y a une soukoun, on le prononce. Il n'y a pas de soukoun, et qu'il y a une shadda après, eh ben on fait la liaison, comme ici. On fait la liaison. D'accord? Ensuite, bon à savoir, le mot Allah. Le mot Allah. On dira Allah si la voyelle qui la précède, c'est Fatha ou bien Dhamma. Mais si c'est une kasra, on dira la. Ah, na'am. Effectivement, on a également vu la petite virgule. On va le voir dans les exercices en dessous. La petite virgule, comme ça, vers le haut ou bien vers le bas. C'est la fatha avec deux temps. Et enfin, dernièrement, le T marbota. Ça s'appelle T marbota. D'accord? C'est T et marbota, ça veut dire attaché. C'est un T attaché. D'accord? On le prononce comme un T. Quand on continue la phrase, salatul fajri, on le prononce comme un ha si on s'arrête dessus. Hayya ala salah,
Hayya ala salah. D'accord? Tout simplement. Donc, si ça c'est compris, maintenant exercice récapitulatif. À vos claviers. À vos claviers. Le premier mot ici. Qui peut m'écrire le premier mot? Ici. Non. En phonétique ici. Le premier mot, qui peut me l'écrire? Eh oui, voilà. Bismillahi. Donc là, on voit, on récapitule hein, vraiment toutes les règles. Kasra, Sukun, la Shadda. Ici, avec la petite virgule vers le haut, donc on allonge de temps. Allah, on dit la parce que c'est précédé d'une kasra. Bismillahi. C'est pas Bismillah. Non. Bismillahi. Le mot d'après. Le mot d'après. Naam, Baba, excellent. Imaduddin, Rania, Samir, Boubak, Abou Sirin, Mashallah, ça va très vite. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani. Bon, juste pour, on va dire, la petite faïda, hein, pour la. Bon à savoir, on va dire. Ar-Rahman, on allonge le mime ici, d'accord? Mais ça, vous le verrez plus tard. On allonge le mime, même s'il n'y a rien d'écrit. Parce que dans le Coran, on va le retrouver de cette manière-là. On va le retrouver avec la petite virgule vers le haut. On dit Ar-Rahman, Ar-Rahman. D'accord? Donc voilà. Mais ça, on verra ça plus tard, Inch'Allah, dans votre étude de la langue arabe, lorsqu'on rentre plus dans le détail sur les règles d'écriture, etc. D'accord? Ici, Na'an, Masha'Allah, Yunab. Ar-Rahimi, Ar-Rahimi. Donc, on remarque ici le Ra. Est-ce que c'est une lettre lunaire, qamariya, ou solaire, ash-shamsiya, le ra? Est-ce que c'est lunaire ou solaire? Pour ceux qui ont retenu juste avant. Ar-ra, est-ce que c'est lunaire ou solaire? Naam, solaire, habibata. Miraïma, c'est pas lunaire. Ça aurait été lunaire, ça se prononcerait comme al-qamar. Ici, on ne dit pas al. Ar-Rahim. Non, on ne dit pas ça. On dit Ar-Rahimi. On ne prononce pas le lem. Ici, le lem, prenons une petite couleur, voilà, on ne le prononce pas. Il n'y a rien dessus. Du coup, on fait la liaison. Ar-Rahimi. D'accord? Voilà. Ah, ce mot-là, je ne vais pas vous demander de, je vais pas vous demander de l'écrire en phonétique. Hein. Ah, je ne suis pas méchant. Ici, là, dites-le à voix haute chez vous, d'accord? Dites-le à voix haute. Ah oui, ici, Naam, c'est Ar-Rahim. Excusez-moi, juste avant, je viens de voir dans les messages. Naam, ici, c'est pas une kasra. Hein. C'est pas une kasra. C'est comme ça. C'est une fatha. Ar-Rahimi. Voilà. Au moins, ça, c'est clair. Donc, ah, il y en a quand même qui l'ont écrit, mashallah. Nadia, Allahumma barik. Il y en a qui l'ont écrit. Naam, si, si, las. Fa'arshaynahum. Fa'arshaynahum. Très bien. Le mot d'après. Là, vraiment, on met en pratique. Et juste après, j'ai une petite surprise pour vous. Pour ceux qui restent à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Ici, naam. A'anzartahum. A'anzartahum. Alors, quand il y a des longs mots comme ça, hein, là aujourd'hui, comme on récapitule tout, c'est des mots qui sont assez longs. N'ayez pas peur. Prenez un par un. Il y en a A. Ici, c'est Noun avec Sukun. Donc, ça relie avec la lettre suivante. A-N. A-N-Zar-Tahum. C'est comme un enfant qui apprend à lire le français. On lui dit quoi? Ne fais pas attention à la longueur du mot. Regarde, syllabe par syllabe. D'accord? Syllabe par syllabe. Et bien là, c'est pareil. A-N, Zar, Tahum. D'accord? Lettre par lettre ou bien syllabe par syllabe lorsqu'il y a une sukun. Ce mot-là, qui va être capable de me lire? Na'am. Excellent. Ici, regardez, le B, ici le B là, il a une fatha. Et il a également
l'allongement long. Bon, je vais effacer parce que là, ça commence à être de moins en moins clair. Voilà. Donc, il y a la fatha et il y a l'allongement long. Ce qui fait qu'on va allonger la fatha quatre temps. Ça, c'est dans le Coran. Hein. En dehors du Coran, vous retrouvez ce mot-là, vous l'allongez que deux temps. D'accord? Mais dans le Coran, les versets du Coran, c'est allongé quatre temps. Donc, on va dire Aba'uhum. Aba'uhum. Très bien. Masha'Allah, Sami, très bien. Umu, excellent. Le mot d'après. Bon, bah, maintenant, c'est toujours pareil. Hein. On met en pratique toutes les règles. Et après, je vous dis, un petit spoiler, hein, pour la suite, l'exercice juste après, on va voir un passage du Coran, mais pas n'importe lequel. Un passage qui rassemble toutes les règles qu'on a vues depuis le début. C'est un passage qui va rassembler toutes les règles. Si vous savez lire ce passage, vous savez toutes les règles qu'on a vues depuis le début. D'accord? Donc vous pourrez vous entraîner sur ce passage-là. Et même en l'écoutant. D'accord? En l'écoutant pour vérifier donc si vous avez bien prononcé. Mais ça, c'est juste après. On finit en premier ces exercices-là. Donc, comment on prononce ça? Naam, Hostev, très bien. Fabashir, hu. Fabashir, hu. Excellent. Le mot d'après. Syllabe par syllabe. Syllabe par syllabe. Tac. Ça. Ça. Et ça. Voilà. Ah. Soy. Na. Hu. Ah. Soy. Na. Hu. Alors, c'est normal, hein. C'est normal que, après le live, ce soir, Inch'Allah, si vous prenez le mushaf, vous allez lire lentement. Mais c'est tout à fait normal. Alors là, faut vraiment, vraiment, vraiment pas s'inquiéter, hein. C'est normal. Plus vous allez lire, et plus vous allez lire rapidement. D'accord? Jusqu'à certains, machallah, des fois, arrivent à finir une page de Coran, la finissent en moins d'une minute. Bon, après, ils lisent beaucoup et très vite, hein. Mais en moins d'une minute, ils la terminent. Et ça, Inch'Allah, vous serez capable. D'accord? Je suis sûr, vous serez capable, chacun de vous. Mais ça demande de l'entraînement, ça demande de la lecture. Donc, profitez, Inch'Allah, de ce mois béni, d'accord? Pour vous entraîner à lire. D'accord? Et espérer la récompense, Inch'Allah. Maintenant, ce mot-là, comment on le prononce? Naam, Sicilas, excellent. Fa'azazna, fa'azazna. Il y a combien de zay? Ah, petite question. Il y a combien de zay dans ce mot-là? Combien de zay? Non. Naam. Nadia, excellent. Il y en a trois. Qur'an récitation, Younab, excellent. Il n'y en a pas deux. Pourquoi il y en a trois? La Shadda. Petit rappel. La Shadda. Le Zay avec la Shadda. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à un premier Zay et un deuxième. Le premier avec la Soukoun. Et le deuxième avec la voyelle qu'il y a au-dessus de la shadda. Donc là, en l'occurrence, la fatha. Bon, ça ressemble plus à un zel, là. Voilà. Et ils ont fusionné. Ils ont fusionné. Donc là, il y a trois zay. Là, il y en a deux, trois. Un, deux, trois. D'accord? Ensuite, le mot d'après. Le mot d'après. Naam, naam, excellent. Donc là, c'est fa-si-ma-ru-ni. Fa-si-ma-ru-ni. Et pour ceux qui nous suivent et qui écoutent à ce moment la vidéo et qui connaissent un petit peu donc l'arabe, d'accord, et qu'ils suivent donc pour réviser, ici, ça veut rien dire. Hein. D'accord, ça aurait dit quelque chose si on aurait mis une soukoun ici, au lieu de la kasra. On aurait mis une soukoun. Fasma'ouni. Fasma'ouni, ça veut dire écoutez-moi. D'accord? Mais là, avec la kasra ici, bon, ça n'a pas de sens, mais ici, c'est pour mettre en pratique. Quoi qu'il en soit, ici, on n'apprend pas du vocabulaire. Si vous voulez apprendre du vocabulaire en arabe, vous pouvez rejoindre la chaîne YouTube Apprendre l'arabe facilement, avec le lien disponible en dessous de la vidéo. Et du coup, on apprend ensemble du vocabulaire, du quotidien. On apprend ensemble
des petites règles de grammaire, comment former des phrases, conjuguer les verbes, etc. Tout ça de manière complètement gratuite. Et également, ce replay d'aujourd'hui, ainsi que les replays des trois cours précédents, donc ils sont disponibles actuellement sur la chaîne Apprendre l'arabe facilement. D'accord? Et le cours d'aujourd'hui sera disponible donc bah, juste après ce cours, Inch'Allah. Ensuite, le mot d'après. Naam, dramé. Très bien. On dit ta'irukum. On allonge de temps. Ta'irukum. Ta'irukum. Ensuite, le mot d'après. Le mot d'après, ici, on va prononcer excellent. Tatayyarna. Tatayyarna. Excellent, Younab. Très très bien. Six syllabes. Dame, vous avez compris. Vous avez compris. Tatayyarna. Le dernier. La dernière ligne. On y va. On est arrivé. La dernière ligne. Voilà. Je fais un peu de nettoyage. Voilà. Ici, comment on lit ça? Naam. As-a. Ah. Yay. Na-ha. Ah. Yay. Na-ha. D'accord? Syllabe par syllabe. Il ne faut pas se compliquer, hein. S'il y a des longs mots, eh ben, on coupe syllabe par syllabe. Ah. Yay. Na-ha. Excellent. Ensuite, le mot d'après, qui est présent dans le Coran, hein, de nombreuses fois. Là, à chaque fois, hein, quasiment, c'est des mots qui sont présents dans le Coran. Hein. Quasi tous les mots ici. Donc, si vous savez lire ici, vous savez lire le Coran. C'est la bonne annonce que je vous fais. Liyakulu, effectivement. Liyakulu. Ici, peut-être certains d'entre vous qui voient certaines choses que d'autres ne font pas forcément attention vont dire, mais attends, le waouh, tu nous as dit que c'est pour allonger le son ou. Donc tu dis lou. Mais ce élif là à la fin, pourquoi il est là? Quel est le but de ce élif? Alors je vais te répondre que ce élif là, dans la lecture, ça ne nous concerne pas. Ici, ce elif-là, pourquoi il est là? C'est dans la grammaire qu'on voit ça. Ça n'influe en aucun cas la lecture. Qu'il soit présent ou qu'il ne soit pas présent, ça change rien. Ça va changer uniquement dans la grammaire et le sens du mot. Dans le sens du mot. Mais dans la lecture, ce qui est notre série actuelle, hein, en quatre épisodes, on ne peut pas faire bah, des miracles. En quatre épisodes, c'est pour apprendre à lire, d'accord, forcément. Et bien bah, ici, c'est... ça change pas dans la lecture. C'est juste dans la grammaire et le sens. C'est pas pour la liaison, hein. Non, 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 c'est pas pour la liaison. Ce sera long à expliquer ici. On va en perdre beaucoup si on explique ici. D'accord? C'est pas le but. Par contre, si vous voulez savoir à quoi sert, rejoignez par contre la chaîne YouTube. D'accord? Je le dirai jamais assez. Rejoignez-la parce qu'il y a plus de 400 cours gratuits pour apprendre l'arabe. Donc, profitez de cette occasion, alhamdoulillah. Surtout en plus, si vous avez réussi à suivre ces quatre cours qui ont été utiles pour vous. Ça veut dire que vous avez accroché avec la pédagogie, la méthodologie. Et bah, continuez dans cette lancée. Continuez dans cette lancée. Arrêtez-vous pas de si bon chemin. Le mot d'après. Voilà, le mot d'après. Naam. Attention, le ha, en phonétique, on ne l'écrit pas avec le k. Hein. Sinon, ça fait kha. D'accord? Même si la phonétique, comme je vous ai dit, hein, on s'en fiche, mais voilà, quand même, il y a des trucs, des fois, il faut éviter quand même. Donc, là, c'est nouhiha, nouhiha, allongement du ou, du i et du e. Et enfin, dernier mot, et on va passer au chapitre, ou plutôt au passage du Coran qui réunit toutes les règles, d'accord? Naam, excellent, excellent. Je vois, il y a plusieurs bonnes réponses, mashallah. Si, si. Naam, Nasr, très bien. Baba. Wafadjarna. Wafadjarna. Donc, ça, voilà, c'est le récapitulatif de ce qu'on a vu. Maintenant, on va finir avec la mise en pratique et le passage du Coran qui réunit vraiment toutes les règles depuis le début.
C'est le début de la sourate Al-Mursalat. Al-Mursalat. Vous regarderez hein, à la fin du Coran. D'accord? À la fin du Coran, vous regardez et vous cherchez sourate Al-Mursalat. Et bien, les 13 premiers versets, là, on les prend là. Et bien, on va voir toutes les règles. Toutes les règles qu'on a vues, même les dernières là, par rapport à la petite virgule. Regarde, elle est là. La petite virgule, et ben on va les voir. Et en plus, je vais vous rajouter une petite règle utile lorsqu'on lit le Coran. D'accord? Et également, elle est valable en dehors du Coran également. Donc, on lit ensemble Suratul Mursalat. Suratul Mursalat. Donc là, Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme je vous ai dit, hein, ici, Rahman, quand c'est dans le Coran, on voit, il y a la petite virgule vers le haut. Donc, on allonge de temps. Bismillahir Rahmanir Rahim. D'accord ? Donc, on commence. On commence. Comment on lit ici ? Bon, je ne vais pas vous demander de l'écrire en phonétique, hein, ça sera trop compliqué. Hein. Mais suivez avec moi. D'accord ? Suivez avec moi. On va prendre syllabe par syllabe. Well, well. Dans le Coran, regardez bien. Le elif wal lam là, on voit cette petite chose ici là. Vous voyez ce petit signe ici là ? Ici là, ce petit signe. Ça c'est juste pour faire la liaison. C'est juste pour faire la liaison. Donc ça on ne le prononce pas. D'accord ? Donc on prononce le waw directement avec le lam. On voit qu'il y a la soukoun au-dessus du lam ici. Well, mursalati. Donc on voit la petite virgule qui tire la fatha vers le haut. Well, mursalati, urfa. Et là, attention, petite règle. Ici, c'est urfan, urfan. Cependant, lorsqu'on s'arrête sur un verset, en l'occurrence ici, on le premier verset, après le deuxième verset, lorsqu'on s'arrête, pour prendre sa respiration et continuer avec le deuxième verset. Si c'est tenwin bil fatha, tac, tac, comme ça, si on s'arrête dessus, eh ben on en efface un, et on laisse l'allongement du coup. Et on va dire, urfa, urfa. On ne dit pas, wal mursalati urfan. Non, on dit, وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا. D'accord ? On fait comme si on en effaçait un. Comme si on en effaçait un. Ça, c'est spécifique. Fatha, avec le tenwin bil fatha. En bas, on a, ici, là, on va prendre, allez, le bleu. Ici, on a tenwin bil damma. Quand on sera arrivé là, je vais vous expliquer comment c'est avec le tenwin bil damma. Là, pour l'instant, on reste avec le tenwin bil fatha. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit tenwin bil fatha, quand c'est à la fin et qu'on s'arrête, on efface une fatha. Et du coup, on laisse l'allongement avec, on laisse le elif, donc ça fait comme si on allongeait avec la fatha. Donc, on dit urfa. Là, on va lire fal asifati asfa. Pareil, on ne dit pas asfen, on dit asfa. D'accord ? Et également, donc, on peut remarquer, on avait dit précédemment, la petite virgule vers le haut, ça allonge de temps, d'accord ? Et bien dans le Coran, lorsqu'il y a la petite virgule vers le haut, elle est précédée d'une fatha, d'accord ? Elle est avec la fatha. Elle est avec la fatha. En dehors du Coran, on aurait pu très bien uniquement écrire la petite virgule vers le haut et comprendre que c'est fatha avec l'allongement. Mais là, on voit qu'il y a l'allongement et en même temps, il y a la fatha. Donc, en fait, ça fait comme si les deux, c'est détaillé, mais c'est uni, d'accord ? C'est uni. Il y en a l'allongement, là où je vais en venir, c'est quoi ? C'est que l'allongement ici, la petite virgule là, c'est pas pour une autre lettre, d'accord ? C'est pour la lettre juste à côté des précédentes, tu vois, avec la fatha, d'accord ? Donc, on est rendu au deuxième, on continue. Pareil ici. Là, c'est un peu mâché. Au-dessus de la shadda, il y a une fatha et il y a également la petite virgule. Donc c'est wanashirati. Comment on prononce ce mot-là ? Allez,
On va voir qui va pouvoir me le lire ici. Alors, on me dit que c'est trop petit. On va zoomer comme ça. Voilà. On va zoomer comme ça. Voilà. Non. Qui va me lire ce... Non. Nashra. Nashra. Excellent. Wannashirati nashra. Voilà. Maintenant, ce verset-là. Fal fariqati farqa. Ensuite, fal mulqiyati zikra. Le support, vous pouvez le télécharger directement. Hein, le lien, il est en dessous de la vidéo. Vous pouvez télécharger le support et cette page-là, vous entraînez avec. D'accord? Vous entraînez avec cette page-là, Inch'Allah. On zoome. Voilà. Pour que ce soit plus clair, hein, parce que certains nous suivent avec des smartphones. Donc, pour que ce soit plus clair, ici, on va dire Ouzran ou Nouzra. Pas Nouzran, Nouzra. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête, c'est la fin du verset. Par contre, si on aurait continué le verset, on aurait prononcé le tenouin, hein? On aurait dit. Par contre, si on s'arrête, on dit. Maintenant, ici, je reprends mon petit crayon. Voilà. Ici. Innama tu'aduna lawaqi'a. Ah, on est arrivé au tanwin bid damma. Alors, qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On avait dit que... Alors... Non. Ici. On avait dit que quand il y avait tanwin bil fatha, prendre le petit stylo. Voilà. Tanwin bil fatha. On s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? On en efface un. Par contre, si le mot se finit par tanwin bil damma, ou bien se finit par tanwin bil kasra, lorsqu'on va s'arrêter, d'accord? Par exemple, le b, boun, ou bien bin, si on s'arrête dessus, on va prendre par exemple comme ça. On va s'arrêter. Allez, quelle couleur on prend? On va prendre le vert. On va s'arrêter sur une soukoun. Alors là, on n'en efface pas un, on efface les deux. On va dire eb. Eb. D'accord? On ne va pas dire eboun ou bien ebin. Si on s'arrête dessus, on va dire eb. Par contre, si c'était avec tanwin bil fatha, eben, on se serait arrêté comme Eba, Eba. Donc c'est pour ça qu'ici on dit Lawaqi'a, Lawaqi'a. On s'arrête comme une soukoun. Tac. C'est bon? On continue. Ici, Fa'izan, Fa'izan Nujumu. Donc là, on fait la liaison entre le zel et le nun. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a le lem elif. Le lem elif, il n'y a aucune voyelle. Donc, on ne compte pas. Donc, quand il y a une shadda, il faut bien, pour pouvoir la prononcer, une voyelle avant. On voit que ce qui vient juste avant, c'est elif. Bah, on ne peut pas. Il n'y a rien. D'accord? C'est pour. Ici, c'est le elif, mais il n'y a rien dessous. Du coup, on revient à la lettre encore avant, à fatha. Donc, on allie. On fait la liaison entre le za et le noun. Le za et le noun, on fait la liaison. Et on dit, Fa'izan nujumu tumiset. Ici, il n'y a pas de question à se poser, ça se finit par une soukoun, donc on s'arrête par une soukoun, tout simplement. Voilà, on y arrive, le verset ici. Pareil, Wa'iza sama. Donc on allonge quatre temps, hein. Regardez la vague ici, là. La vague ici, avec la fatha, quatre temps. Wa iza sama ou
Furijat. Et c'est voulu vraiment qu'à la fin de notre série, donc actuellement, que je vous ai choisi un passage du Coran et que ce passage du Coran, ce ne soit pas vraiment n'importe lequel, mais que ce soit un passage qui réunit toutes les règles précédentes. Comme ça, ce passage-là, hein, c'est Surat al-Mursalat, c'est à la fin du Coran, et bah, vous pouvez le réécouter avec le récitateur qui vous plaît et suivre en même temps. Et de cette manière-là, améliorer votre lecture. Vraiment. Alors, ensuite, le verset ici. Wa'idhal, on a dit hein, le elif avec ce petit signe-là, là, c'est spécifique, ça c'est khas au Coran. C'est vraiment ce petit signe-là, là, c'est spécifique au Coran. C'est juste pour faire la liaison, pour indiquer qu'il y a une liaison ici. Donc, on ne fait pas attention à ça. D'accord ? Le zel avec le lem. Voilà. Bon, je vais effacer parce que là, c'est pas lisible. Voilà. Donc, on dit Wa'idhal jibalu nusifat. On prend une couleur, l'orange, je préfère. Ensuite, on dit وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. Donc là, il y a la shadda, il y a la dhamma, il y a la fatha, kasra, sukun. Vous voyez, hein, il y a ce passage du Coran, vraiment, travaillez-le. Travaillez-le et continuez la sourate. D'accord ? Continuez-le. Ensuite, les deux derniers versets pour aujourd'hui. Li, ça c'est lem elif. Lem elif. Donc on dit li e. Li e. Li ayyi yaoumin. Li ayyi yaoumin ujjilat. Ujjilat. Ici, pareil, hein, certains qui voient certaines choses que d'autres ne voient pas peuvent demander, mais pourquoi il n'y a pas de petits points en dessous le yé? On a appris que le yé, il y a deux petits points en bas. Pourquoi ici tu prononces li yé et il n'y a pas de petits points? Quelle est cette lettre? Eh bien, cette lettre, c'est le yé. Et parfois, d'accord, ça on le voit hein, dans la suite, lorsqu'on continue l'étude de la langue arabe, et bien, parfois il est écrit sans les deux petits points. D'accord? Donc voilà. Li yé yomin ou djilet. Et ensuite, le dernier verset. Liyaoumil fasl. Et pourquoi ici on s'arrête sur une sukun? Pourquoi on ne dit pas liyaoumil fasli? Comme on l'a dit tout à l'heure, n'importe quelle voyelle qu'on va avoir sur la fin d'un mot, lorsqu'on va s'arrêter dessus, on va s'arrêter sur une sukun. Sauf si c'est le tenwin bil fatha. Dans ce cas-là, on va s'arrêter en effaçant une fatha et ça va nous laisser une fatha avec le elif, tout simplement. D'accord ? Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été profitable. En tout cas, cette série, ça m'a fait très plaisir de la faire avec vous. J'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise pour vous, mais avant, je voulais vous remercier pour votre participation. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. Il y a énormément de personnes, mashallah, qui ont beaucoup participé. Je n'ai pas pu citer tout le monde. J'ai déjà commencé à recevoir des emails de personnes qui ont appris à lire en l'espace de 3 jours. Ça fait vraiment chaud au cœur. Hein. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Même si on est prof d'arabe et qu'on vit de ceci, alhamdoulilah, notre but ici, ce n'est vraiment pas de gagner de l'argent. Notre but ici, c'était vraiment de vous faire profiter gratuitement, surtout en ce mois béni. Et c'est la moindre des choses, vraiment d'enseigner à lire. C'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend une semaine, d'accord, 4 jours. Et c'est un investissement à vie. Plus vous allez lire, mieux vous allez lire. Comment vous lisez aujourd'hui, ce ne sera pas comment vous allez lire dans 2 semaines. Ce ne sera pas comment vous allez lire dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans. L'année, plus vous avancez avec la pratique et mieux vous allez lire. Et qui sait parmi vous, il y aura peut-être des futurs récitateurs ou récitatrices de Coran, Inch'Allah, et je l'espère fortement. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous entraîner à lire. Prenez le Coran en ce mois béni. Prenez-le
Commencez soit par le Baqara au début, ou bien révisez les sourates courtes à la fin et lisez, corrigez-vous. D'accord? Ensuite, ce que je peux également vous conseiller, parce que mon but, ce n'est pas uniquement de vous accompagner et de vous abandonner, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube d'apprendre l'arabe facilement et de continuer les cours. De continuer, il y a plus de 400 vidéos sur du vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, l'expression orale, l'expression écrite. Vraiment, tout ce qu'il vous faut pour que, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, vous puissiez commencer à dialoguer en arabe, vous puissiez commencer à comprendre l'arabe. Et si en 4 jours, vous avez appris à lire l'arabe, l'arabe, c'est pas compliqué. En l'espace de 2 semaines, vous pourrez commencer à faire des phrases. En l'espace d'un mois, vous pourrez commencer à dialoguer. En l'espace de 2 mois, commencer à écouter le Coran et commencer à comprendre certains versets. D'accord? Donc, je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager ces vidéos-là avec votre entourage. Ceux que vous voyez qui savent pas encore lire l'arabe, partagez-leur ces 4 cours. D'accord? Partagez-leur avec eux. C'est des cours gratuits. Téléchargez les supports. Et j'ai une surprise pour vous. Lorsque vous allez aller dans le lien en dessous pour télécharger le support du cours aujourd'hui, je vous ai préparé donc je vous ai préparé une petite surprise. C'est les invocations en arabe. C'est gratuit, hein, vous pourrez télécharger le PDF, Inch'Allah, et le propager gratuitement. C'est les invocations et leurs réponses. Yani, on a souvent l'habitude, nous, de dire Barakallahu fik, Jazakallahu khairan, Hayakallah, Ahsanallahu ilayk, etc. Mais peut-être qu'on le prononce mal, d'accord? Parce qu'on l'a appris en phonétique. Et bien ici, maintenant que vous savez lire, et ben il y a la dua avec toutes les voyelles en arabe. Barakallahu fik. Barakallahu fik. La traduction. Et enfin, également, la réponse. Si quelqu'un vous dit Barakallahu fik, on dit quoi? De rien? On dit merci? Non, on ne dit pas merci. On ne dit pas de rien. On dit wafik. Ou bien wafik barakallah. D'accord? Les deux sont possibles. Hein. Et on peut dire wafik. C'est aussi valable. Hein. Ça marche. D'accord? On peut également dire wafik. Et on reprend ici barakallah. On inverse tout simplement. D'accord? Donc je prends ici le petit crayon. Le fameux petit crayon qui nous a accompagnés durant cette série. On inverse. Et on met fik au début. Ouais, wafik, barakallah. D'accord? Pareil, jazakallah khaira. Il y en a beaucoup, ils le disent. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah te rétribue en bien. Comment on répond jazakallah khaira? On dit merci? Non, on dit wa jazak. D'accord? Pareil. Et là, je vous ai mis plein d'invocations. D'accord? Donc, vous avez une page entière d'invocations qui sont très utiles. Qu'Allah te préserve, qu'Allah te protège. Qu'Allah te guérisse, qu'Allah fasse profiter par toi, qu'Allah t'augmente en motivation. C'est des invocations en ce mois béni, là où les invocations sont acceptées. Invoquez, utilisez ces invocations-là avec vos proches, avec vos connaissances. D'accord? Donc c'est un petit cadeau de ma part pour vous encourager à continuer l'arabe. Vous pouvez télécharger cette fiche-là gratuitement dans le lien de la description. D'accord? Dans le lien de la description, enfin plutôt, ouais, dans la description, il y a un lien pour télécharger les supports. Vous cliquez là-bas et vous aurez les 4 supports de ces 4 journées et également donc cette petite fiche cadeau à télécharger. D'accord? Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt, soit sur cette chaîne et sinon sur la chaîne d'apprendre l'arabe facilement. Et je vous souhaite de bonnes études de langue arabe. En tout cas, moi je suis là pour vous aider dans votre étude. C'est avec un grand plaisir, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous accompagner dans votre étude de la langue arabe. C'est vraiment un honneur. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve. Ne m'oubliez pas dans vos invocations en ce mois béni. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.